راح اورجيكم صور قبل وبعد. بداية حنبدأ ملعب فلسطين. هذا الملعب أكبر ملعب في قطاع غزة، يضم مقر وزارة الشباب والرياضة، يضم سكن اللاعبين، يضم اللجنة البارالمبية. Là, on va vous montrer les photos avant et après. Là, il s'agit du complexe du terrain de Palestine qui est le plus grand stade de Gaza. Où il y a un stade de football, mais d'autres infrastructures sportives, des habitations aussi pour les sportifs. Et regardez un peu comment il était, c'est pas. On ne va pas nous bluffer avec cette histoire, avec cette photo, parce qu'ici, à Montpellier, des infrastructures comme ça, il y en a dans pratiquement chaque quartier de cette ville. Mais en Palestine, c'est le grand stade de Gaza que vous voyez sur cette photo. La photo que vous avez vue, c'était avant. À quoi il ressemble aujourd'hui? في نوفمبر 2012. هذه صورة لليوم للقصف في اليوم الأول. Il a été bombardé ce stade deux fois. Une première fois en novembre 2012. Et voilà le résultat. Bombardé donc en deux fois sur deux jours. D'abord, une première frappe qui va détruire la partie praticable pour le foot, mais ce n'était pas suffisant. Deuxième vague de bombardement, et le stade est devenu un amas de ruines. Il y a eu un acharnement pour qu'il n'y ait plus trace de ce stade. Une autre photo d'un grand stade à Gaza, le stade Yarmouk. Cette photo a été prise en 2011, juste avant les bombardements. S'il vous plaît, vous pouvez faire circuler comme ça. هذه صورة له بعد القصف في 2012, novembre 2012. Voilà ce qu'il est devenu en 2012 après le bombardement. وهذه صورة للطفل وكأنه يعبر بأن الأمل بطل في داخله بعد 26 منشأة رياضية تم تدميرها. أيضا هذه الصورة من داخل ملعب اليرموك. Et sur cette photo, on voit un enfant qui porte une pancarte avec le chiffre 26. Il s'agit de la 26e infrastructure sportive détruite pendant ces bombardements. Il s'agit du stade Yarmouk dont la photo circule. Aïdan, cette photo est autre du ملعب جديد, qui est ملعب مدينة رفح. هذا الملعب طبعا أنا طبعا رايت عليه وانا شارك في هذا الملعب, ملعب بلدية رفح. Sur cette photo, c'est le stade municipal de la ville de Rafah où lui a pratiqué, c'est dans ce stade qu'il a fait ses premiers pas de sportif. يعني احمد الله اني كنت في الاسر في هذيك الفترة حتى لا ابكي كثيرا بعد ما رايته في الصورة هكذا حتى بكيت. Le stade a été bombardé pendant son arrestation. Voilà ce qu'il est devenu. Un amas, encore une fois, de pierre et de ferraille. Et il dit que heureusement qu'il était en prison en ce moment-là parce qu'il n'aurait pas supporté
de voir son stade, puisque c'est là qu'il a grandi, être réduit à un tas de pierres, de ferraille, de béton. بعد هذا كله أسألكم هل يحق لنا رفع البطاقة الحمراء بوجه إسرائيل ومنعها من استضافة كأس أوروبا للشباب تحت 21 سنة أم لا يحق لنا هذا؟ Après ça, il vous pose la question, il vous demande, est-ce que nous avons raison de porter ce carton rouge pour que ce championnat et cet événement sportif n'aient pas lieu en Israël? Est-ce qu'on a raison ou pas, à votre avis? Ah oui, ouais. Carton rouge pour Israël. Carton rouge pour Israël. Carton rouge pour Israël. يعني للعلم أحد الملاعب الرياضية في مدينة غزة في 2012 استشهد بداخله 4 أطفال وهم يمارسون هوايتهم بالرياضة، هل وجودهم بداخل الملعب كان يشكل خطر على إسرائيل برأيكم؟ Pour l'information, pendant ces bombardements sur un stade de Gaza, toute la bande de Gaza, pas de la ville, a été bombardée alors que 4 enfants étaient en train d'y jouer. Je ne sais pas si c'était au football ou à un autre sport, mais ils étaient en train de pratiquer leur sport. Et ils ont été ciblés et ils ont été tués. Est-ce que, à votre avis, c'est dangereux à ce point-là que des enfants pratiquent du sport pour qu'ils aient été ciblés, visés et tués? الكثير عندما فضت في هذه القضية وقلت يجب أن يرفع الكارت الأحمر بوجه إسرائيل طبط وأحبطنا وقال ليس هناك وقت، ولكن أقول لكم نيلسون مانديلا بعد 27 سنة في الأسر استطاع أن يدمر وينهي سياسة الأبرتايد والفصل العنصري في جنوب أفريقيا. La décision qui a été prise d'organiser ce tournoi en Israël a produit énormément de découragement chez beaucoup de Palestiniens. Mais les Palestiniens ne vont rien lâcher parce qu'ils savent que, par exemple, Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans. 27 ans de prison, 27 ans d'isolation, et malgré ça, il a détruit le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Donc il n'y a pas de raison pour que ce soit le régime.